plein cœur d'une société ultramoderne où le mot majeur est la productivité, le résultat, l'ascension sociale. Qu'en est-il de la place de l'homme, de son épanouissement, de son travail et de son harmonie intérieure Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le rave Elie Lemel. Elie Lemel, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous venez d'écrire un livre que vous avez intitulé La chèvre dans le placard qui vient nous parler justement de l'harmonie et du travail que nous devons effectuer sur nos traits de caractère. Pour commencer notre émission, je voudrais que vous puissiez définir un mot qui est celui développé par nos maîtres, qui est celui de la MIDA, les MIDOT, les traits de caractère. Qu'est-ce que ce mot signifie exactement et qu'est-ce qu'il recouvre dans les traits de caractère humains Exact, en effet, cette notion de MIDOT, trait de caractère, est un élément fondamental dans la tradition juive. Alors, MIDA, c'est tout simplement une mesure et c'est très intéressant de voir que ce qui définit les traits de caractère nous renvoie à la notion de quelque chose qui est une mesure, c'est-à-dire quelque chose qui a une limite inférieure et supérieure et donc quelque chose qui doit être là pour nous inscrire dans un principe d'équilibre. D'ailleurs cette notion nous la retrouvons dans Maïmonide qui développe fort longtemps cette idée du chevilazav, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chemin, le sentier en or qui est justement l'équilibre en permanent. Et lorsque l'on parle de traits de caractère, il ne s'agit pas du tout d'éradiquer totalement des éléments de notre personnalité ou alors de pousser au paroxysme d'autres et générer un déséquilibre, mais savoir en effet, aussi bien au niveau de ce qu'on appelle des midot raot, c'est-à-dire des traits de caractère négatifs, savoir comment mettre de côté leur négativité, parce que parfois en effet on peut utiliser cette dimension pour créer, pour construire. Et au niveau de ce qu'on appelle les traits de caractère positifs, savoir non seulement les mettre en exergue, les développer, mais faire en telle sorte qu'ils ne soient pas aussi l'expression d'un déséquilibre, parce que parfois, lorsque vous poussez les choses trop loin, eh bien, ça amène un déséquilibre, et donc c'est pas le but euh, évidemment recherché. Alors, vous aviez déjà écrit un premier livre, Les quatre coupes de lait, exact. qui nous parle justement des midotes positives, les traits de caractère positifs de, de l'humain. Euh, ici, dans ce livre-là, La chèvre dans le placard, euh, vous travaillez sur l'approche des midotes des traits de caractère négatifs. À notre époque, on parle beaucoup de coaching, c'est-à-dire de personnes qui vont nous accompagner pour nous dire, voilà, comment est-ce que tu dois diriger ta vie. Est-ce qu'on est dans l'ère du temps Est-ce que le judaïsme attrape au vol un courant moderne aujourd'hui qu'est le coaching ?– Alors, euh, désolé, mais le judaïsme n'est pas du tout moderne puisqu'il en parle depuis très très longtemps. D'ailleurs, c'est un texte du Talmud qui nous dit la chose suivante, « le na Torah omitzot » et là, le « tzarev bemet ce qui veut dire la Torah, donc L'enseignement, le savoir, ou mitzvot et les commandements n'ont été donnés et là que le tsaref abriot pour raffiner les créatures. Alors évidemment, il y a quelque chose ici de très, très intéressant de parler de cette notion de, de raffinement, de transformation de l'être un des plus grands maîtres de la tradition juive, le Gaon de Vilna, le génie de Vilna, qui a vécu vers le e siècle, eh bien, le Gaon de Vilna dit que la finalité de l'individu, c'est de se transformer au niveau de sa personnalité. Et il continue, il dit « lave et si ce n'est ça, « lama lo à quoi sert donc la vie C'est-à-dire, si quelque part, nous arrivons à la fin de notre existence, de la manière dont nous étions au début, au niveau de notre manière d'être, eh bien, cette existence n'est pas porteuse de sens c'est incroyable ce que vous nous dites. Euh, on change totalement de clé de lecture de la Torah. Souvent, nous avons une lecture un peu étriquée de la Torah. De l'imaginer comme étant un code de loi législatif, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation des gestes. Alors que vous nous dites qu'en réalité, le but ultime n'est pas de s'arrêter au geste, mais de voir ce qui est porté par le geste. – Exactement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le savoir et en même temps l'acte sont vecteurs de quelque chose, ils ne sont pas leur propre finalité. Évidemment qu'ils sont porteurs d'une dimension particulière, les maîtres de la tradition, de la mystique juive, de la Kabbalah nous expliquent qu'au moment où nous agissons, eh bien, cette action en tant que telle a un impact sur les univers et ça de manière beaucoup plus globale, mais à notre niveau, à nous, il faut voir, et à la fois dans l'acte de la mitzvah, du commandement et aussi dans l'étude de la Torah, l'enseignement, qui doit nous bouleverser et nous amener à nous transformer. Euh, J'avais un maître, euh, un de ces maîtres de l'époque près au Shoah, qui un jour euh, me disait, tu as appris ce texte, mais qu'est-ce que ce texte t'a appris Et il est intéressant de voir que le ritualisme peut au bout d'un moment enfermer l'individu. D'ailleurs, on le voit puisque le prophète s'adresse au peuple d'Israël et leur dit au nom de Dieu, eh bien moi, Dechem Sananafi, vos fêtes, je les ai en haine. Hayu Allah et le Torah, elles sont pour moi pesantes, insupportables. Anne, de par le fait, chebe piyem kibdouni, que c'est avec votre bouche que vous m'avez honoré, ve et votre cœur, votre intériorité, rachak mimeni, était extrêmement loin de moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et on retrouve ça très souvent dans le Talmud et dans l'enseignement du Midrash, de tous ces commentaires, l'importance fondatrice de la mitzvah de l'acte comme étant élément de transformation de l'être, et donc c'est dans cette double dimension que l'on doit bien sûr se confronter à ses actions. Dans le sens de ce raisonnement, on trouve ce fameux enseignement de Rachi sur la Torah qui pose la question, mais si la Torah est un code de loi, elle aurait dû commencer par une loi, c'est-à-dire par le renouvellement du mois, la première loi qui a été officiellement transmise au peuple d'Israël en tant que peuple après la sortie d'Égypte. À quoi bon tout le livre de Béréchit Le livre de la Genèse, finalement, il n'y a pas de loi, ou pratiquement pas de loi dans tout le livre de Béréchit, parce qu'on cherche autre chose, finalement Qu'est-ce que nous amène le livre de Bereshit Le livre de Bereshit, c'est Sefer HaYachar, le livre de la droiture, le livre qui renvoie l'individu à ce qu'il doit être, c'est-à-dire quelqu'un de droit. Alors, vous savez qu'en hébreu, les mots euh, sont constitués de lettres l'hébreu est une langue consonantique, et donc avec les lettres, vous pouvez faire d'autres mots. Et le mot yachar, droiture, qui est le symbole même de ce livre, ce sont les mêmes lettres que le mot shir, qui veut dire un chant. Le chant, c'est l'expression de son intériorité. Tout ce livre est là pour nous raconter. Des histoires, mais qui sont porteuses d'un enseignement que l'on doit être capable de retraduire dans notre propre réalité. Que ça soit Adam et on le va le voir peut-être tout à l'heure dans le rapport au désir, euh, Abraham dans le rapport à l'autre, Isaac dans le rapport à la rigueur, Jacob dans l'univers de l'harmonie. Et chaque fois même lorsque vous interrogez le texte et que vous analysez, et c'est ça qui est extraordinaire et, et c'est un bonheur au fond si, si on se confronte à ce texte. Eh bien, vous, vous allez voir que chacun des mots qui est là est porteur d'un sens qui va avoir une dimension impactante par rapport à nous-mêmes et va devoir donc nous amener à re-réfléchir notre relation à nous, au monde et de manière générale à toutes les sociétés auxquelles on se confronte. Avons-nous un devoir en tant que mitzvah d'ordonnance de travailler nos traits de caractère et est-ce que cela est possible Nous avons grandi avec nos traits de caractère et souvent d'ailleurs lorsque l'on parle à une personne, on veut dire mais je suis comme ça, comment changer la nature d'un être humain alors, je voudrais rebondir d'abord sur justement cette petite remarque de Je suis comme ça. Vous avez parfois des personnes qui vous disent, elles sont, elles sont adorables, hein, elles sont très sympathiques, mais après elles disent, non mais qu'est-ce que vous voulez Je suis comme ça. Je suis coléreux, je suis... Mais à côté, c'est quelqu'un de super. Alors, j'ai généralement l'habitude de leur dire la chose suivante. Écoutez, imaginez votre enfant rentre de l'école avec sur son carnet de notes le sigle des Jeux Olympiques, zéro. Cet enfant, charmant par ailleurs, vous dit, que veux-tu C'est ma nature. Je suis comme ça, je suis paresseux. Évidemment que tout parent sensé va tout de suite lui dire ⁇ Il va falloir que tu te travailles ⁇ Donc on voit très très bien que cette notion de travail sur soi, on l'a intégrée, seulement on préfère en effet ne pas développer cette dimension parce que c'est tellement plus simple. Or, elle est au cœur même de notre construction. Je vais vous raconter une histoire qui est une histoire fausse, mais elle est jolie quand même. C'est l'histoire comme ça d'une maman juive à qui son fils apprend qu'il va se marier bien sûr elle est fort contente et elle lui dit mais tu sais j'ai déjà ton costume de mariage bon on sait comment parfois sont les mamans mais enfin l'enfant est un petit peu surpris mais comme il est poli il dit rien et puis il demande à sa mère peux-tu me le montrer et la mère d'ouvrir une armoire et de sortir délicatement une housse à vêtements et sort un costume et cet enfant, bien sûr, là, commence à sourire. Il dit à sa mère, maman, c'est mon costume de bar mitzvah, ce costume que j'ai porté à l'âge de 13 ans. Ça aurait pu être une histoire avec une jeune fille et le costume qu'elle a porté à l'âge de 12 ans, ça ne change rien. Et on est bien d'accord que le jour de notre mariage, nous ne porterons jamais le costume que nous avons porté le jour de notre bar ou bat mitzvah. Mais certains gardent le même costume spirituel, psychique et émotionnel toute leur existence. Et c'est là où, en effet, il y a une idée déjà à inscrire. La notion de travail sur soi est ce que l'on appelle dans la tradition talmudique une démarche l'oratrila, c'est-à-dire a priori. On n'effectue pas cette dimension, cette idée de travail sur soi, parce que nous sommes confrontés à une problématique. Et vous l'avez dit parfaitement, nous arrivons dans l'univers avec un certain nombre de traits de caractère. Et c'est sur cela qu'on va devoir travailler à frame Vital qui était donc l'élève du Harizal, Harizal a vécu au XVIe siècle à Safed, était l'un des plus grands maîtres, si ce n'est le maître par excellence de la Kabbale de la mystique, eh bien son élève, le Raphaël Vittel, qui va coucher par écrit la majeure partie de ses enseignements, va nous rappeler qu'il y a quatre dimensions chez l'être. Il y a le principe d'eau, le principe de terre, le principe de feu et le principe de l'air. Et les quatre correspondent chacun à une dimension particulière au niveau de nos traits de caractère. Que ce soit pour le feu, la notion de rancœur, de colère, que ce soit pour l'eau, la pulsion, les désirs, que ce soit au niveau de la terre, le mal-être, le désespoir, ou que ce soit au niveau de l'air dans le rapport à la parole. Nous avons les quatre, mais chacun d'entre nous, dit-il, en un qui est plus émergent que les autres. Et c'est celui-là que nous allons identifier et sur lequel nous allons essayer de développer un véritable travail. Est-ce que nous devons étouffer notre trait de caractère qui serait négatif, ou est-ce qu'on peut le canaliser et l'orienter de manière différente J'ai l'impression qu'avant même d'entreprendre de, une quelconque de marche, démarche, pardonnez-moi, il faut d'abord être dans l'acceptation. Et donc, ce travail d'acceptation, eh c'est tout simplement une démarche dans laquelle je me rappelle que je m'appelle un être humain. Un humain, c'est Adam, l'homme au sens non pas masculin, mais l'humain dans sa dimension globale. Et Adam, c'est la terre. Adama, la terre. C'est aussi Adamé, je lui ressemblerai. Tension entre ma dimension complètement physique, avec tout ce qu'elle inclut, et aussi la capacité que j'ai de tendre vers quelque chose de beaucoup plus élevé. D'ailleurs, Rabbenou Yona de Gérone, qui est un contemporain de Maimonide, dit clairement que on ne peut pas connaître ses traits de caractère négatifs tant qu'on ne connaît pas nos traits de caractère positifs. Pourquoi Parce qu'il pressentait déjà ce que pouvait amener cette démarche. Une démarche dans laquelle on allait se voir négativement et même ce travail sur soi ne serait vécu que comme une forme de réparation pour être moins pire. Alors que pas du tout. C'est un travail de vie et on ne peut étouffer. On doit identifier, comprendre, accepter et voir dans cette présence-là le point de départ d'une démarche. Lorsque que... l'on a dans la Torah le verset qui nous enseigne Ve'aftal et Riyachakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nos commentateurs de nous préciser, encore faut-il déjà commencer par s'aimer soi-même. C'est-à-dire de découvrir nos propres qualités, comme vous venez de le dire. Et d'ailleurs, il y a un enseignement assez intéressant qui, qui se résume de la façon suivante, qui nous dit que le Soleil n'a jamais vu la face cachée de la Lune. C'est-à-dire que dans notre relation à autrui, et peut-être aussi finalement à nous-mêmes, être capable de ne pas voir que nos défauts, mais aussi nos, nos qualités. Complètement. C'est au cœur même de cette démarche que l'on appelle donc la démarche du moussard, c'est-à-dire la démarche de l'éthique, c'est d'apprendre à mettre d'abord en exergue la dimension belle de l'être. C'est fondamental parce que ça nous permet tout d'abord d'avoir une base solide et voir par la suite nos traits de caractère qui, le sont, qui sont moins positifs, on va dire, comme étant un travail qu'on qu nous propose de faire. C'est-à-dire. Euh, Mazaltov, je viens de découvrir que j'ai un trait de caractère sur lequel il y a petites choses qui vont pas, superbe Ça veut dire que maintenant, il y a un travail à faire, c'est-à-dire apprendre, hevedan et travers apprendre, comme le disent nos maîtres, voit l'autre dans sa dimension d'abord positive, juge-le de manière positivement, apprend d'abord à identifier cela. D'ailleurs, on le voit, il y avait un jour comme ça un maître dans le Talmud qui était avec ses, ses élèves et puis il passe dans un champ, champ pardonnez-moi, et dans ce champ, Pourri un animal qui se décompose. Les élèves passent et, oh là là, ça ne sent pas bon. Et lui leur fait remarquer, mais vous avez vu combien les dents sont encore blanches. C'est-à-dire, pourquoi avez-vous d'abord identifié cet élément qui ne va pas Oui, c'est une réalité, on ne va pas la mettre de côté. Mais c'est intéressant de voir quelles sont les premières choses que l'on découvre chez l'autre. Et ça montre parfois un état d'esprit sur lequel il y a lieu éventuellement de commencer à travailler. Abraham est le principal patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes. Il est la figure centrale du livre de la Genèse. Il est considéré par beaucoup comme le père du monothéisme. Mais pour d'autres, il a repris et développé un concept qui existait déjà. Son nom est initialement Abraham, puis devient Abraham, ce qui signifie père d'une multitude de nations. Abraham naît et grandit à Ur, en basse Mésopotamie. Ur est alors une ville païenne, puissante, sophistiquée. Elle fait partie d'un royaume prospère, âgé d'environ 2000 ans, situé en actuel Irak, et auquel on doit de nombreuses inventions, comme l'écriture cunéiforme, la roue, l'utilisation du cuivre, puis du bronze. Abraham est le fils de Terah et a deux frères, Nahor et Haran, qui meurent en laissant un fils, Lot. Abraham épouse Sarai, qui deviendra Sara. Après avoir détruit les idoles que fabrique et vend son père et auxquelles il ne croit pas, Abraham refuse de rendre un culte à celle du roi Nimrod, et ce dernier le fait jeter dans une fournaise ardente dont il est délivré par l'archange Gabriel. Abraham quitte Ur avec Terah, Sarai et Lot, son neveu. La famille s'installe à Haran, connu pour être un grand centre caravanier et d'échange, situé en Haute Mésopotamie, en actuelle Turquie, et où Terah meurt. Abraham y restera jusqu'à l'âge de 75 ans, sans avoir d'enfant, car Sarai est stérile. Sur ordre de Dieu, Abraham quitte Haran avec sa femme, Lot, ses bergers et ses troupeaux et se rend dans le pays de Canaan. La transhumance d'Abraham se poursuit à Sichem, lieu de rassemblement des tribus du centre, puis à Bethel, capitale religieuse de l'Israël du nord. Il arrive à Hébron, capitale du royaume de Juda, mais la famine le chasse vers l'Égypte. Sur la route, Abraham demande à Sarai de déclarer aux Égyptiens qu'elle est sa sœur car il pense être tué s'il se présente comme mari d'une si belle femme. À leur arrivée, le Pharaon s'attribue Sarai pour femme et elle est emmenée dans son palais. Des plaies feront comprendre au Pharaon qu'il doit laisser partir Abraham et sa famille. Abraham quitte l'Égypte et repasse par le Negev. Abraham et Lot sont devenus si riches en troupeaux que le pays ne subvient plus à l'ensemble de leurs besoins. Une querelle éclate entre les bergers et Abraham recommande à Lot de se séparer de lui pour préserver leur fraternité. Abraham s'établit aux chaînes de Mabré, près d'Hébron. Il apprend la capture de Lot, il combat les ravisseurs, les assaille et les poursuit jusqu'à Damas, d'où il ramène Lot. Plus tard, Dieu détruira les villes de Sodome et Gomorrhe, malgré les tentatives d'Abraham de les sauver. Le Minyan, le quorum nécessaire à toute cérémonie juive, et de 10 membres. Le même nombre de 10 personnes intègres aurait permis à Sodome et Gomorre de ne pas être détruites. Alors, effectivement, il faut commencer à travailler. Quelle est la route à suivre? Quel est le mode d'emploi à suivre Est-ce qu'il y a euh, des traits caractères qui seront considérés comme étant majeurs, sur lesquels on doit investir toute notre énergie première euh, Ou bien on le fait un peu comme euh, bon nous semble, euh, selon euh, le temps ou selon euh, notre, notre humeur du jour Alors cette question euh, nous renvoie à une double réponse. Tout d'abord, l'idée de se faire ce qu'on appellerait un selfie spirituel. Alors le selfie spirituel, désolé, je n'ai pas encore trouvé euh, de portable qui le fait. Mais un selfie spirituel, ça serait tout simplement d'être capable euh, de faire un cercle et puis d'inscrire tout en haut « the qualité »,« ma qualité par excellence » et de ne pas avoir peur de l'identifier. Ah, vous allez dire, mais c'est de l'orgueil. Pas du tout. Le verset nous dit clairement « va Bali bobe Hashem. son cœur s'est enorgueilli dans le chemin de Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire L'orgueil, disent nos maîtres, c'est lorsque l'on pense que nos qualités nous appartiennent et donc, on peut en disposer comme on le désire pour nous-mêmes. Moïse était l'individu le plus humble que la terre a porté. Est-ce que vous pensez vraiment que Moïse était en train d'avancer en disant Je ne vaux rien, je n'ai aucune qualité, mais pas du tout, ne croyez pas Bien sûr. Moïse savait parfaitement ce qu'il était, mais il était dépositaire de quelque chose qu'on lui a confié, et sa responsabilité, c'est de savoir comment l'utiliser. On n'est pas orgueilleux dès lors qu'on a conscience des capacités qui sont les nôtres, en réalisant qu'elles nous ont été données au moment de notre naissance, et que notre travail à nous, c'est de les utiliser le mieux possible et d'être capable de ne pas les gâcher en les utilisant dans des univers inappropriés. Donc d'abord faire ce selfie spirituel, mais aussi voir de l'autre côté le défaut par excellence que nous connaissons de nous. Ça, c'est déjà un premier point. Évidemment, il y a des traits de caractère qui sont fondamentaux sur lesquels il y a lieu de s'arrêter de manière particulière. Au niveau des traits de caractère positif la notion du chesed, du don, de l'altérité et qui va bien au-delà de ce que l'on croirait la charité. C'est avant tout le regard que je porte sur l'autre, ça a des incidences qui vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et au niveau des traits de caractère qui sont euh, moins positifs, allons-nous dire sans doute la colère, le chaos, puisque nos maîtres parlent de cette colère de manière très très forte. D'ailleurs, il y a un texte du Zohar de la Kabbale qui nous dit que si tu veux savoir de qui, tu dois t'éloigner, c'est pas compliqué. Regarde celui qui se met en colère et de lui, tu dois prendre de la distance. Non pas juste pour te protéger des excès de sa colère, mais parce que tout simplement, c'est un univers duquel on ne peut se rapprocher parce qu'il est tout simplement l'expression de l'être qui a complètement mis de côté ce qui le particularise, c'est-à-dire être capable d'être dans la maîtrise et qui se retrouve confronté à sa propre animalité. Et vis-à-vis -vis de ça, tu dois être capable de prendre de la distance. Et donc, évidemment, si ça nous concerne, commencer à faire un véritable travail sur ce point-là. Vous avez parlé de, de traits de caractère qui sont naturellement euh, en nous. Euh, vous avez parlé par exemple du chesed ou d'autres traits de caractère que l'on doit mettre en évidence. Euh, Est-ce que l'on parle ici euh, d'inné ou de quelque chose que l'on peut acquérir au long de sa vie ou dans son, euh, dans son adolescence ou, dans son, ou en grandissant Évidemment qu'il y a des traits de caractère particuliers que l'on possède lorsque l'on arrive au monde. D'ailleurs, les maîtres du Talmud nous en parlent en disant que. Évidemment qu'il y, y a des choses qui arrivent avec nous et, et on le voit bien d'ailleurs quand on a le bonheur d'être parent dans une famille, les enfants ont grandi dans le même environnement généralement et pourtant certains ont des traits de caractère très particuliers que d'autres n'ont pas. Donc on va percevoir certaines choses qui nous sont spécifiques. Mais sur le reste, nous devons faire ce travail a priori. D'ailleurs, un des maîtres les plus fameux de notre époque, et je m'inspire beaucoup beaucoup de son enseignement qui s'appelait Laura Volbeck, qui n'est plus de ce monde depuis quelques années, euh, son enseignement... Euh, sur ce thème, c'est celui qui est dispensé dans le monde de l'aïshiva, vous savez, cet univers dans lequel vous avez des jeunes gens et des jeunes filles, puisque pour une jeune fille ça s'appelle un bête et c'est à 16, 17, 18, 19 ans qu'on qu fait ce travail, alors qu'à ce moment-là on aurait pu imaginer, ça va, c'est bon, détente, <laughs> pas la peine, on, on, on verra ça par la suite. Non, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir, parce que c'est ça… Qui va bâtir la personnalité de l'individu, qui par la suite devra construire une véritable histoire. Alors, on va essayer de réfléchir en mettant en parallèle vos deux ouvrages. Euh, puisque dans celui sur les, les quatre, coupes de, quatre coupes de lait, euh, nous avons les traits de caractère positifs. Euh, dans la chèvre dans le placard, on a les traits de caractère négatifs. Euh, alors, est-ce qu'on doit travailler en parallèle finalement, euh, en, es en essayant d'améliorer nos traits de caractère positifs, tout en, en même temps, euh, déracinant ou en modifiant nos traits de caractère négatifs est-ce que c'est en parallèle Est-ce que les deux en même temps Alors, évidemment, il serait bon de le faire en parallèle, mais c'est parfois un peu complexe. Tout d'abord, appelons-nous d'une chose que les maîtres du Talmud nous enseignent, ta fasta me roubé l'eau, ta fasta, ta fasta ta fasta, ce qui veut dire, si tu veux avoir beaucoup de choses à la fois, tu n'as strictement rien. Si tu es prêt à prendre les choses petit à petit, au bout d'un moment, tu les as. Donc, savoir prendre le temps. On n'est pas ici pour créer des postures, parce que sinon après... Si ce sont des postures, vous connaissez sûrement ce texte du Talmud qui nous parle des Shiva Prochines, c'est-à-dire des sept faux orthodoxes, c'est-à-dire de ces individus qui, qui ont des postures très comme il faut, mais qui intérieurement sont complètement, totalement déconnectés de ces postures qu'ils prennent à l'extérieur. Et les maîtres du Talmud connaissaient bien, bien, bien ces difficultés. D'ailleurs, ils nous disent que euh, ceux qui s'identifient clairement, vis-à-vis -vis de quelle que soit leur identification, au oh, moins tu sais où tu en es. Mais il y en a certains. Qui ont des postures, mais intérieurement, ce n'est absolument pas cela, et ça serait ça le danger, de prendre des postures et de faire ça de nouveau, une forme de rituel, quelque chose, pardonnez-moi l'expression, d'un peu bondieusant, vous savez, mais, mais qui n'est pas l'expression d'une identité profonde. Or, le but, par exemple, dans le recette, dans le, dans le don, ce n'est pas de devenir donneur, mais d'avoir une relation autre à l'univers que l'on croise au quotidien. Et donc c'est un autre regard, c'est une autre manière d'appréhender de manière ultime quelqu'un qui par exemple a appris ce que veut dire donner et devient donneur, de manière évidente c'est une personne qui ne pourra jamais faire de médisance. Pourquoi Très simple. Il voit quelqu'un qui à un moment fait quelque chose qui n'est pas correct. Sa première préoccupation c'est comment puis-je l'aider Comment puis-je l'aider Au lieu justement d'utiliser ce qu'il a vu pour le tirer vers le bas. Vous voyez, donc c'est au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est inscrit à l'intérieur de nous. Et on va devoir faire ce travail. Alors, oui, euh, s'arrêter sur la MIDA, c'est-à-dire le trait de caractère dont on sent bien qu'il nous pose problème, est extrêmement important, mais toujours, toujours dans cette dimension de prendre le temps. C'est en cela où, en effet, le travail sur soi dans la tradition juive ne correspond pas du tout à ce que l'on retrouve aujourd'hui dans l'univers des coachings ou autres. On veut du résultat rapide, on veut que ça marche rapidement. C'est quelque chose qui est un travail de vie. Ravisrael Salanter, qui était donc le maître par excellence de cette école, un génie en Torah et qui a beaucoup développé cette notion, il en parle bien avant que Freud n'arrive sur l'histoire, et eh bien Ravisrael Salanter disait que pour travailler sur un trait de caractère, il est beaucoup plus complexe de le faire réellement que d'étudier plusieurs fois le Talmud. Nous avons un verset dans la Torah qui nous enseigne. Réalise la volonté de Dieu et essaye de développer une adhésion parfaite en Dieu, ou cabot mm -hmm. Et nos maître du Talmud, de poser la question mais est-ce que nous pouvons adhérer, est-ce que nous pouvons nous coller d'évêque en hébreu, de la colle À Dieu, c'est un feu brûlant, mais je dois me rapprocher de lui en imitant ses traits de caractère. Exact. Comment connaissons-nous les, les traits de caractère de Dieu A-t-il des traits de caractère alors, c'est une question très large, mais les maîtres du Talmud tout de suite donnent des exemples. Donc, ce qu'on appellerait les traits de caractère de Dieu, ce sont un petit peu les noms de Dieu, puisque nous savons qu'en effet, dans la tradition juive, Dieu a plusieurs appellations, parce qu'aucun mot ne peut véritablement définir ce qu'il est dans son essence. Mais les différents noms de Dieu révèlent la manière dont on le perçoit dans l'univers. Et donc, le Talmud nous dit Maourachum, Aphatarachum, Maouchanun, Aphatarachanun. Très intéressant. De la même manière, qu'il fait preuve de pitié, de miséricorde et de bonté, eh bien, toi aussi sois capable de le faire de la même manière. Intéressant de voir que ce que l'on va mettre en exergue au niveau de cette ressemblance avec Dieu, dans lequel on nous demande de lui ressembler, d'être à son image, c'est dans ce travail d'aller vers l'autre, dans ce travail d'altérité réelle. Et c'est un travail qui n'est pas si simple à mettre en place parce qu'il n'a pas de limite. Vous savez que dans la tradition juive, on nous. De certains animaux qui sont cachères, aptes à être consommés, d'autres qui ne sont pas aptes à être consommés. Et la Torah nous en cite un certain nombre, et parmi les oiseaux, elle nous en cite un qui est très sympathique, elle nous dit Mais celui-là, tu ne peux pas le consommer, c'est Hachasida. Hachasida, c'est la cigogne. Bon, intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot cigogne en hébreu vient de la racine Chesed. Chasida, Chesed. C'est la même racine trilitaire. Alors, c'est beau! Et pourtant, c'est inapte à la consommation. Pourtant, recette, c'est le don. Et met de dire oui, mais la cigogne ne donne qu'à ses congénères. Alors, pourquoi plus particulièrement s'arrête sur la cigogne, ce sera encore un autre sujet, parce que c'est sans doute pas la seule. Mais ce qui est intéressant, c'est que Noël nous dit tu vois, on voit quelque chose de quelqu'un qui donne, qui apporte, mais c'est limité à son cadre. C'est pour les membres du club. Et ça, c'est pas un bon recette, ça, ce n'est pas une manière réelle de donner, parce que. Tu n'as pas demandé la carte d'identité de l'autre avant de répondre à son besoin, ou même pour décider d'être proactif et de lui apporter ce dont il a besoin et que tu peux lui donner. Pour aller au bout de notre raisonnement, j'imite le comportement de Dieu par sa bonté, sa générosité, mais comment est-ce que l'on voit Comment est-ce que l'on constate Est-ce que c'est dans le texte Est-ce que c'est dans le vécu Comment je constate la générosité de Dieu La bonté de Dieu, le fait qu'il rende visite aux malades Comment est-ce que je le vois Le point d'entrée. C'est intéressant ce que vous posez comme question parce que les maîtres du Talmud nous disent sache que le début de la Torah est un acte de don et la fin de la Torah se termine par un acte de don. Intéressant de voir que la première lettre de la Torah c'est le Bet de Bereshit au commencement, la dernière lettre de la Torah c'est Israël, Israël est la dernière lettre donc c'est lamed », et ensemble ça fait lev », qui veut dire le cœur. Déjà tout un programme. Mais au-delà de ça, le premier acte de don de la Torah c'est lorsque Dieu donne à Adam et Ève ces fameuses tuniques en peau pour les habiller, lorsque ceux-ci, après la faute, ont constaté l'impact qu'allait représenter la nudité maintenant dans l'histoire. A priori, en quoi Dieu donne Ils n'en ont pas besoin, puisque le texte nous dit qu'ils prennent des feuilles de figuier et en font des, des formes de pagnes. Pas la peine d'avoir des tuniques, parce que si on saurait faire au texte, et qu'on est dans la cohérence du texte, il n'y a personne d'autre à part eux. Donc on n'est pas ici dans un problème de du regard de l'autre. On a ici une idée qui est très intéressante. Donner, ce n'est pas d'abord répondre à un besoin, c'est réfléchir à ce que l'on peut apporter à l'autre. Qu'est-ce que j'ai en stock et que je peux apporter à l'autre Et donc lorsque la Torah nous parle pour la première fois de don, elle nous dit, voilà, le don de Dieu, c'est ce que je peux apporter, dont l'autre n'a pas besoin, mais qui sera pour lui un plus. C'est quoi cette première chose Alors beaucoup de personnes disent un sourire, ce qui est vrai, parce que quand vous souriez à quelqu'un, vous lui montrez que vous l'avez vu et qu'il existe. Mais la première chose, vous savez, qu'on peut donner à l'autre, c'est notre non-toxicité. Décider de faire un travail sur nous-mêmes pour que dans la rencontre que l'on aura avec lui, il ne soit pas obligé d'utiliser ses énergies pour se protéger de ce que nous sommes. Et c'est quelque chose d'ultra concret. Qu'est-ce qu'on amène à un enfant Le travail que l'on fait sur soi dans sa relation de couple pour que l'enfant ne soit pas obligé d'utiliser ses énergies pour se protéger de ses conflits ou d'autres choses ou de nos traits de caractère négatifs. Et ça, vous imaginez un peu le programme, il est colossal. Comment être le moins toxique possible dans les univers que l'on traverse pour permettre aux gens de pouvoir utiliser leurs énergies, non pas pour protéger ou réparer ce qui s'est passé dans la rencontre, mais au contraire, pour construire. Ça, c'est le premier acte de don de la Torah. – Ce trait de caractère de, de Chesed dont vous parlez, euh, déjà on trouve un livre, un recueil magnifique du Chafetz Chaim euh, qui porte le titre de Ahavat Chesed, c'est-à-dire pas simplement de faire du chesed, mais d'aimer faire le chesed. Exactement comme vous venez de l'expliquer, et cela me fait penser à un enseignement un peu surprenant de prime abord, mais très profond, qui vient comparer deux personnages, celui d'Abraham et celui de Job. Job qui, dans cet enseignement, se plaint auprès de son créateur, en lui disant, mais pourquoi est-ce que tu me fais tant souffrir Pourquoi tant de souffrance Je vois mes biens disparaître ma famille s'éteindre Pourquoi Pourtant je fais du chesed, moi aussi. Je suis comme Abraham, notre patriarche. Moi aussi je fais du chesed. Et Dieu de lui répondre, il y a une grande différence entre le recède fait par Abraham et le recède que toi tu fais. Lorsque toi tu fais du chesed et que tu vas accueillir quelqu'un, tu lui donnes ce dont il lui manque. Alors que Abraham, lorsqu'il recevait quelqu'un, lui donnait la plus belle chose qu'il avait. C'est-à-dire que ton approche du chesed... Et de combler un manque, alors que s'est donné pour donner par amour du don. Est-ce que nous sommes là dans le cœur finalement de la définition du récède, donner ce qui est le plus beau en nous Il est vrai que ce passage qui mérite d'ailleurs un développement parce qu'il est, est extrêmement bouleversant. Cette interrogation qu'a Job. Évidemment, le récède, on le voit d'ailleurs à propos d'Abraham puisque Abraham est un exemple incroyable, et le Dessler, qui est aussi un des très très grands penseurs juifs de notre époque, le fait remarquer de manière assez incroyable. Abraham, rappelons-nous, est celui donc qui euh, attend euh, la naissance d'un enfant qui pourrait dire à Dieu, mais, mais j'attends, j'attends, pourquoi tu ne me donnes pas Et Abraham vient de faire sa circoncision, il a la porte de l'attente, et dit le texte, il attend de voir des étrangers. Et puis, il voit au loin trois Bédouins qui passent. Ils sont au loin, il a priori, tout va bien. Et Abraham dit, et le verset nous le dit comme ça, Adonai Imna na natavor me alavdecha. Et là, deux lectures. Première lecture qu'on va dire profane, il parle à ces personnes, il leur dit, Messieurs, je vous en prie, ne passez pas juste devant moi comme cela, je veux vous inviter. Seconde lecture, il parle à Dieu. Il dit à Dieu, s'il te plaît, attends-moi un instant, j'ai quelque chose à faire. C'est bouleversant. Dieu, disent nos maîtres, comme le verset nous l'exprime, étant visite chez Abraham. Alors qu'est-ce que ça veut dire Je suis incapable de vous le dire, mais essayez d'imaginer un moment d'exaltation spirituelle, mystique, incroyablement puissante. Vous vivez une expérience énorme. Et à ce moment-là, vous êtes capable de voir l'autre. Ça veut dire que votre dimension spirituelle ne vous empêche pas de voir l'autre. Donc là, vous êtes dans la vérité, dit Rav Dessler. Et qu'est-ce qu'il fait Il court vers eux et leur dit, je vous en prie. « Donnez-moi ce bonheur de pouvoir vous apporter quelque chose. » Abraham, il, il est de, de cet univers dans lequel on est heureux d'avoir eu la possibilité d'apporter à l'autre. Et on va éclairer ça justement de ce dernier acte de chesed de la Torah, puisque le dernier acte, c'est quand Dieu enterre Moïse. Et là, on dit, ben, c'est l'acte de chesed chalémet, un acte de don vrai, parce que qu'on l'espère bien, celui qui en était le bénéficiaire ne pourra jamais dire merci. Puisque Moïse en effet est enterré. Et la Torah de nous dire attention, le recède, le don n'est pas là pour instrumentaliser la relation. Il n'est pas là pour créer une relation. Il n'est pas là pour pouvoir, à travers ce que je donne à l'autre, parfois l'enfermer. Rappelons-nous de ces personnes qui donnent tellement qu'elles enferment. Le don, c'est j'ai envie de te donner, non pas pour que ce don soit quelque chose qui s'inscrit dans ce qu'on appellerait une stratégie relationnelle. Mais ce n'est pas ça qui le sous-tend, et c'est ce qui se passe avec Abraham. Alors nous avons vu le point supérieur du cercle, le chesed. Allons de l'autre côté, le point inférieur de ce cercle. Vous avez parlé tout à l'heure de la colère. Vous en parlez beaucoup dans, dans votre ouvrage, la, la chèvre dans le placard. Sans parler du, du symptôme colère, est-ce qu'on peut réfléchir sur l'origine de la colère Qu'est-ce qui nous pousse au plus profond nous-mêmes à ne plus être capable de nous contrôler, à faire exploser, éclater cette colère contre un autre ou elle... Notre environnement, notre famille, nos voisins, nos amis. Qu'est-ce qu qu qui est à l'origine de cette colère Évidemment que les, les, les mots qui sont utilisés pour décrire la colère par nos maîtres sont très 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 forts, très lourds. Et ils nous disent d'ailleurs qu'on reconnaît véritablement quelqu'un mmh. au moment de sa colère. J'ai l'impression que le point de départ des colères, de manière générale, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas dormi plusieurs jours et qui est épuisé, c'est ce qu'on appellerait une colère physiologique. Alors bien sûr. Euh, on, on ne l'accepte pas non plus, mais on la regarde différemment. Euh, c'est des parents qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont le bonheur d'avoir des enfants qui les réveillent quatre fois par nuit. Au bout d'un moment, peuvent, comme on dit, un peu légèrement craquer. Là, on parle d'une colère qui provient du fait que il y a des individus qui sont persuadés que leur vision du monde est la vision unique, que l'on doit avoir des choses. Et donc, ne sont pas prêts à accepter que la réalité puisse être autre chose que ce qu'ils désirent. Et c'est la conséquence de l'orgueil. Je suis référence. Ma vision du monde, ma manière de voir les choses, dans toutes les situations de vie, est la manière adéquate et il n'y en a pas d'autre. Vous savez, un petit peu comme sur ces fameux tabliers sur lequel il y a marqué article 1, le chef a raison. Article 2, lorsque le chef se trompe, se référer à l'article 1. cest ces personnes qui sont psychorigides, euh, pour qui la phrase la plus difficile à prononcer, qui ne prononcera jamais, qui ne prononcera, pardonnez-moi, jamais, c'est j'ai eu tort. Ils seront capables de dire éventuellement à l'autre, ils seront capables de dire éventuellement à l'autre, tu as raison, mais j'ai eu tort, c'est insupportable. La colère donc provient de cet orgueil, de cette personne qui pense être au centre, être référence, et donc n'est pas prêt à accepter qu'une réalité soit autre que celle qu'il a imaginée. Je considère qu'à partir du moment où je dis telle chose, ça doit se passer de cette manière. Je considère que quand il y a des invités, c'est comme ça que ça doit se passer. Je considère, je considère, je considère. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, si le rapport de force est à leur avantage, ils vont exprimer de la colère pour obtenir ce qu'ils désirent. Et d'ailleurs, c'est ça le drame de la colère. C'est que ça marche. Et donc, ça nous amène à utiliser ce système de rapport de force pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Mais quel drame le jour où le rapport de force n'est plus à notre avantage. On le voit d'ailleurs au niveau de l'éducation. Quand des parents sont dans un rapport de colère parce que l'enfant dépend du parent, ne serait-ce que de la vitamine A, de l'amour. On a besoin tous de vitamine A pour vivre. Et l'enfant a l'impression qu'il n'y a que ses parents qui peuvent l'aimer. Donc lorsque le père ou la mère se mettent en colère, ils sentent cette prise de distance. et a absolument besoin de retrouver leur amour, donc va se plier. Jusqu'au jour où à la préadolescence, l'adolescence, ils réalisent que non, que d'autres peuvent l'aimer, des garçons, lié. des filles, le groupe. Et là, brusquement, le système ne fonctionne plus. On le voit dans les couples. Le jour où celui qui subit la colère sort de ce système de rapport de force et est capable de dire, eh bien, même pas mal, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Dans le monde du travail aussi, on le voit de manière très intéressante. Si les gens ont besoin de moi, je peux me mettre en colère, parce que, de toute façon, ils ne s'en iront pas. Et donc j'utilise ce rapport de force à mon avantage pour obtenir ce que je désire. Le jour où il y a une embellie dans le marché de l'emploi, ce jour-là, il risque fort de se lever et de partir. Et donc c'est ça le, le drame numéro un euh, qui se situe dans la colère, avec malheureusement parfois les conséquences incalculables que cela peut avoir dans tellement de domaines. Après ces événements, Dieu s'adresse à Abraham par une vision et conclut avec lui une alliance. Dieu lui promet une pléiade de descendants. Dieu ajoute alors que ses descendants seront pendant 400 ans esclaves d'un autre pays, dont ils sortiront avec de grands biens pour revenir dans le pays de Canaan qui leur a donné et qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Abraham accepte la proposition de Sarai qui, pour avoir un fils, lui donne sa servante égyptienne Agar comme femme. De cette union naîtra Ismaël. Treize ans après, Abraham a 99 ans. Dieu apparaît et lui propose alors une nouvelle alliance. Abraham et ses descendants devront le reconnaître comme leur dieu et pratiquer la circoncision. Alors qu'Abraham est âgé de 100 ans, son fils Isaac naît. Abraham le circoncit à l'âge de 8 jours. Ce rituel acquiert une nouvelle signification spirituelle. Il touche l'organe de la procréation. Dieu demande une marque d'alliance à l'endroit exact d'où viendra cette grande nation. Sarah demande à Abraham de répudier Agar et son fils. La parole fait très mal aux yeux d'Abraham, mais il accepte. Dieu demande à Abraham de prendre son fils Isaac et de l'emmener avec lui vers une destination inconnue. La tradition juive place la scène de la ligature sur le mont Moria, à l'emplacement actuel du dôme du rocher à Jérusalem. La tradition musulmane situe le sacrifice non pas d'Isaac, mais d'Ismaël dans le désert. On a avancé que le sacrifice d'Abraham signifierait la fin des sacrifices humains, pratique qui aurait perduré chez d'autres peuples sémitiques. Les Phéniciens continuèrent de sacrifier les premiers-nés mâles en gage de fécondité. Sarah meurt à Hébron, et Abraham choisit la grotte de Marpella, près de Membrée, pour l'y enterrer et l'achète à Ephron. Abraham épouse Keturah, qui lui donne six fils. Il meurt heureux à 175 ans. Isaac et Ismaël l'enterrent dans la grotte de Marpella, à côté de Sarah. Abraham s'est efforcé continuellement d'atteindre une plus grande connaissance de Dieu et il l'a immédiatement diffusée aux autres. Comment a-t-il pu accepter de sacrifier son fils il est impossible pour l'homme moderne d'expliquer une telle décision. Comment Abraham a-t-il pu demander à son épouse de se faire passer pour sa sœur, la mettant ainsi en danger Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'envoyer Abraham loin de sa terre natale, dans le désert, pour y fonder une nouvelle nation Ainsi, c'est donc le vaste territoire du croissant fertile qui sert de décor à cette histoire. Abraham s'est déplacé à la manière de nombreux marchands-éleveurs avec sa famille et ses troupeaux. C'est d'abord un voyageur, mais aussi un visionnaire. Abraham est un visionnaire dont la quête spirituelle révolutionnaire permet de découvrir un Dieu moral invisible qui allait changer la face du monde à tout jamais. Le fait que les trois religions monothéistes s'inspirent de ce même homme est une promesse que ces religions pourront un jour vivre en parfaite harmonie. Nos maîtres vont jusqu'à affirmer que Dieu lui-même prie. Il fait une prière en espérant, mais bien évidemment il faut le comprendre, en espérant que sa miséricorde prenne le dessus sur sa colère, lui-même. C'est un, un texte incroyable. C'est-à-dire, c'est un texte dans le Talmud qui nous dit, euh, nous savons que Dieu prie. Bon, alors, le Talmud nous explique d'où est-ce qu'on l'apprend, et puis après il dit, et c'est quoi la prière de Dieu alors, c'est très intéressant parce que Dieu dit, que ce soit un effet de ma volonté que ma miséricorde aille au-delà de ma colère. Question évidente. Pourquoi Dieu ne prie pas pour que ma colère n'existe pas Ça serait plus simple. Et ne mettre de dire non. Il y a parfois des situations de vie dans lesquelles on pourrait imaginer que la colère soit là. Parce qu'il y a des choses parfois pas simples. Et Dieu dit Je veux faire en telle sorte que malgré cela, ma miséricorde aille au-delà. Et que cette colère ne génère pas des conséquences catastrophiques. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à développer cela à l'intérieur de soi en décidant d'aimer l'autre Et comment est-ce qu'on met en place cet amour En priant pour lui, en priant pour cet autre qui est à nos côtés, pour son bonheur, pour sa joie, pour son équilibre. Plus nous allons au quotidien prier pour tous les univers que l'on rencontre, d'abord de ceux qui nous sont proches et puis de manière plus générale, tous les mondes. Que l'on peut rencontrer, et pour l'humanité, au fur et à mesure, ça peut développer à l'intérieur de nous ce désir de leur bonheur qui pourrait nous aider, mais qu'on soit bien clair, ce n'est pas simple du tout, même dans des situations pareilles, à faire en telle sorte que cette colère, en tout cas, n'existe pas dans sa dimension dévastatrice, qu'elle puisse exister peut-être un moment, parce qu'il faut qu'il y ait parfois des moments forts. Dans lequel l'autre prend conscience qu'il se passe quelque chose, mais que ça ne soit pas une colère qui nous prenne de l'intérieur et qui par la suite ne serait plus contrôlable. Élie Lemel, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir mis sur, cette, sur ce chemin, sur cette voie magnifique du travail, sur la profondeur de notre identité, sur nos traits de caractère. Je vous rappelle, vous êtes donc l'auteur de ce livre, La chèvre dans le placard. Et je laisse à nos téléspectateurs le plaisir de comprendre la raison du titre de vous votre êtes. livre. Merci à vous tous de nous avoir suivis lors de cet échange. A très bientôt, passez un bon dimanche et portez-vous bien.